quand la communication engage la conversation, place au dialogue. Il est souvent très efficace de se parler. Avec ou sans l'appui des technologies, on adapte son information à sa cible. On écoute, on interagit, on se rencontre aussi. Les robots s'invitent même pour créer de nouvelles conversations. Un chatbot dialogue en ligne avec les parties prenantes d'INRIA et révolutionne le traditionnel rapport annuel. On ne livre plus l'information de façon prédéterminée, on accueille et on guide l'internaute selon ses questions. La conversation est forcément virtuelle, mais le succès est là. Pas de robot dans la social room de la SNCF, mais un lieu d'expertise équipé pour gérer en temps réel les 5000 mentions social média quotidiennes de la marque la plus commentée de France et anticiper les tendances de conversation. La SNCF est devenue un modèle de transparence, de rapidité et de créativité à tous les stades de la relation client. Créer le dialogue grâce à la vidéo, possible aussi. Pour se rapprocher des courtiers et courtières, AXA France a créé un film intelligent, interactif et ultra personnalisé, fonctionnant tel un bot vidéo. Il reproduit un rendez-vous one-to-one avec son ou sa commerciale habituelle. L'impact sur le business est spectaculaire. Et le monde réel dans tout ça ? LVMH a réinventé la relation recrutement-école avec une expérience candidat et candidate d'une journée en immersion dans son écosystème, jusqu'à une masterclass exceptionnelle avec Bernard Arnault, président du groupe. Bien sûr, le digital n'était pas loin. Le vaste dispositif qui a porté cette opération a donné une grande place à la conversation virale. Dans les mondes virtuels et réels, le dialogue a toujours droit de cité.